Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 4 de ce Tour de la Provence avec notre leader qui a malheureusement un moins 2 aujourd'hui. Et Ben O'Connor prend un petit moins 2, ce qui nous fait un 73, un 74 montagne. C'est pas terrible, mais par contre, Paré-Peintre prend un plus 2. Donc je pense que Paré-Peintre va clairement être le leader sur cette étape en tout cas. On va demander à Venturini, qui ne fera rien aujourd'hui, de protéger Paré-Peintre. Et on va se mettre directement en x2 au programme du jour. 145 km à parcourir pour l'équipe. Ça va être plutôt pas mal à faire, à disputer tout simplement. On va essayer d'aller chercher la victoire, en tout cas le meilleur classement possible au sommet. De ce Mont Ventoux, pas totalement au sommet puisqu'on s'arrêtera au Chalet Reynard pour tout simplement y disputer cette arrivée, mais je pense que l'ascension va être longue et très hard, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Ça va être une ascension relativement difficile aujourd'hui au programme, et on retrouve une échappée qui est en train de se former tout doucement avec pas moins de 11 hommes déjà à l'attaque. Mais la Movistar avec Ivan Garcia Cortina ne veut pas laisser partir. Écoutez, je vous propose quelque chose d'intéressant sur ce début d'étape. On va regarder les favoris dans le jeu pour la gagne. On peut voir Pidcock pour la Ineos, on pourrait voir Guillaume Martin pour la Cofidis, David Godu pour la Groupama, Ulissi pour Conti, à voir pour la UAE, Ciccone pour la Trek avec Julien, à Bernard, ne pas l'oublier, Sergio Higuita pour la Education First, Fausto Masnada pour la De Kuijdynch avec Almeida, attention à Almeida également, Morige pour la Bahreïn avec, c'est tout, Haro pour la Kubeka. Et on va retrouver Groschartner, Postelberger également, mais qui sont pas forcément forts sur des cols ainsi. Gorka Aizaguirre pour la Astana. On aura donc Paré-Peintre et O'Connor pour la G2R. Et au niveau de la DSM, il n'y a pas vraiment de grimpeur à part Nicolas Roche. Nelson Oliveira pour la Movistar avec Ivan Garcia Cortina. On retrouve pour la Total, il n'y a pas de grimpeur dans le jeu en tout cas. Mais au départ, il y en a en vrai. L'Intermarché, Iavligen. D'ailleurs, j'ai mis Intermarché alors qu'ils sont même pas au départ. J'aurais pas dû du tout, mais bon, c'est pas grave. On retrouve Marcinski pour la Lotto. Et on retrouve le frère de Quintana pour la Arkea. Et pour la Bingo, il n'y a pas de grimpeur. Et pour la BNB Hotel, pas de grimpeur à proprement dit, en tout cas. Et nous, il est à 100 km de l'arrivée. Je vais mettre en x4 maintenant et on peut voir que le peloton ne veut pas laisser trop de champ aux échappés. Ça a été le cas, hein, les deux premières étapes où on a atteint les 5 minutes d'avance. Et ça va être totalement différent comme scénario cette fois-ci, puisque le peloton tient les hommes de tête à une petite minute d'avance. Et on va essayer d'aller chercher donc la gagne avec Aurélien Paré-Peintre. On va se remettre en x2. On va demander à Michael Char d'aller chercher les bidons. Et le peloton qui tient en garde l'échappée, qui est composé de Castroviejo, Izagirre, Verona, Brambilla, Conti, Zimmermann, Goll, Bastida, Turgis, Baggioli, Ferron et Langeveldt qui sont à l'avant, et 1 minute 10 d'avance seulement pour ces 12 hommes de tête. Et ça va être un final, je pense, assez relevé, avec quelques difficultés quand même, en tout cas en ce samedi. C'est un plaisir de vous présenter cette étape. En tout cas, on a le maillot de leader avec Venturini, mais il ne va pas le garder, bien évidemment. Il va le perdre aujourd'hui puisqu'il n'est pas assez fort
en montagne. Et vu l'arrivée, ça risque d'être une très très belle bagarre, hein. Aujourd'hui, pas moins de 10 kilomètres de montée. Ça risque d'être assez impressionnant à voir et assez beau, hein, à regarder sans aucune hésitation. Alors que Paré Peintre est toujours au peloton et devant, ça commence à se détacher un petit peu avec Turgis et Gorka Izagirre qui sont sortis en duo et on a repris le gros de l'échappée. Plus que deux hommes à l'avant, Turgis et Gorka. Est-ce que ça va le faire? On voit Higita ici, à présent à l'avant, 50 km de l'arrivée maintenant. Les choses sérieuses commencent à se profiler pour nous. On va mettre déjà O'Connor dans la route Paré Peintre. Et Bouchard qui sera bien évidemment présent pour nous aider. On va le mettre dans la roue. Ici, Michael Char. Non, Calmejean qui a de belles notes. Galopin également. Galopin, on peut se le garder. Et voilà, on va mettre Calmejean dans la roue ici aussi. Et ça sera pas mal. En tout cas, je forme déjà un petit train avec Venturini qui protège tout d'abord et après on avisera petit à petit le train. Mais pour le moment, Clément Venturini fait très bien son travail de protecteur. On n'oublie pas Michael Char qui sera là pour nous aider si on en a le besoin. Et on arrive maintenant à 20 km de l'arrivée, hein, 20 petits kilomètres de l'arrivée. Et on va se mettre dans la route Venturini et on va lui demander de relayer, enfin de rouler. Et on va gérer ça à la perfection maintenant. On va essayer en tout cas de gérer ça à la perfection avec Venturini qui va faire les efforts pour nous. On fait un joli train. En tout cas, il y a le sprint également ici à aller chercher. On va essayer d'aller chercher. Tiens, avec Venturini, on va demander à Michael Char de venir protéger. De venir protéger Paré Peintre. Michael Char, protégé Paré Peintre. Et avec Venturini, on va essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire. Tiens, pour prendre des points et conforter notre maillot de sprint. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ce sprint intermédiaire? En tout cas, on va lancer avec Venturini. Est-ce que ça va passer? Et oui, je pense que ça va clairement passer. Et on va demander à Venturini d'attendre. Maintenant, plus rien d'autre à faire. J'ai envoyé Michael Char chercher les bidons. 14 km de l'arrivée maintenant. Viens protéger Paré Peintre, s'il te plaît. Et on est parti. On est au pied de l'ascension. D'ailleurs, je vais le mettre en auto. Et je vais demander à Calmejean de venir protéger Paré Peintre qui va débuter son ascension maintenant. Et on est parti à 12 km de l'arrivée, 12 km de montée pour aller chercher une potentielle victoire avec Aurélien Paré Peintre. On n'oublie pas que Michael Char doit ramener les bidons. J'espère qu'il va réussir à faire de même. Et on arrive bientôt dans les 10 derniers kilomètres. Et Calmejean est bloqué. Il ne faut pas vouloir monter trop vite, hein, avec Paré Peintre. On n'a pas non plus la meilleure note montagne du jeu et de la course, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien, j'ai l'impression. Alors que bah, le galopin a été ravitaillé, mais malheureusement, ah, c'est bon, Char va réussir à venir nous ravitailler normalement, si ça pose pas trop de soucis, et je l'espère en tout cas, qu'il puisse nous ravitailler. On est bien mis. On va ralentir un petit peu pour avoir le bidon, pour être sûr d'être bien. Allez, passe-moi le bidon, s'il te plaît. Et c'est bon, allez, on peut se remettre en effort 80. Et Calmejean, il est bloqué, Calmejean. On va demander à O'Connor, à la Galopin de venir protéger Paré Peintre. Allez, Aurélie, allez mon petit Tony. Et on est un peu loin, hein, dans le groupe pour se faire correctement protéger. Mais bon, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Michael Char, c'est terminé également. Paré Peintre, il est aidé par Galopin. Et ça montre un beau rythme.
Et Galopin, ça va être terminé. On va devoir demander à Bouchard de venir nous protéger. Et même si voilà, Bouchard est un petit peu en difficulté, alors que Galopin, Calmejane est en train de m'embêter un peu, j'ai envie de dire. 4 km de l'arrivée, faut qu'on reste ainsi, hein. Faut pas diminuer notre tempo. Et ouais, c'est fini pour Bouchard, c'est fini pour O'Connor, on n'a plus personne, on est tout seul avec tout simplement Paré Peintre, et on va devoir se débrouiller tout seul, j'ai envie de dire. On va essayer de faire le meilleur classement possible. En tout cas, on n'est pas le meilleur grimpeur, mais il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. En tout cas, devant, ils sont en difficulté, hein. Ils sont en fringale. C'est la fringale à l'avant, donc il faut pas perdre espoir pour aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Une belle victoire d'étape en plus, je l'espère. Mais là, ça va devenir compliqué. On approche des 2 derniers kilomètres. Et ils sont en fringale, hein, tous ces hommes. Et nous également. Nous aussi, on est en fringale. Ça va pas être facile d'aller les rechercher, hein, de les battre en tout cas. Il y a un homme fort là. Il y a un homme fort, c'est David Godu. David Godu qui m'a l'air très très fort et surpuissant. 400 mètres de la ligne maintenant. On va accélérer encore un petit peu. Et on va tout donner. On va lancer notre sprint avec Aurélien Paré-Peintre. Et on va venir chercher un podium ici au Chalet Reynard avec une troisième place derrière David Godu, Guillaume Martin. On va prendre la troisième place avec Aurélien Paré-Peintre, trio français qui fait un podium totalement français en tout cas. Et on aura fait une très très belle ascension, hein, pour notre part. Et on se retrouvera donc normalement troisième du général, si je ne dis pas de bêtises. Et ça va nous faire plaisir quand même. Peut-être troisième au général. Avec Aurélien Paré-Peintre, il reste qu'une étape, il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat. En tout cas, on nous voit, on est là avec le maillot de meilleur jeune. J'espère qu'on ne va pas le perdre. Donc, victoire de David Godu devant Guillaume Martin et Aurélien Paré-Peintre. David Godu reprend donc le général pour 4 secondes sur Guillaume Martin et 26 sur Aurélien Paré-Peintre. Et bien, on est clairement troisième du général, on ne devrait plus bouger, on devrait finir sur le podium. Nelson Oliveira garde le maillot de la montagne, le maillot bleu clair de la montagne, devant Lilian Calmejean. Et Clément Venturini reste en tête au niveau du classement par points devant Andrea Pasqualone et Aurélien Paré-Peintre qui remonte à la troisième place. Et David Godu pique le maillot de meilleur jeune à Aurélien Paré-Peintre. On est donc à 26 secondes derrière le Français de la FDJ. Et c'est la Team Emirates qui est en tête au classement par équipe. Puis on est remonté à la troisième place de ce classement par équipe. Voilà donc le classement de l'étape et le classement général qui a bougé, hein, puisque on s'est retrouvé troisième avec Aurélien. Heureusement qu'on ne l'a pas joué avec O'Connor qui est quand même loin maintenant au général. Il est à 2,49. Il a quand même perdu pas mal Ben O'Connor. Mais on aura fait une très très belle étape. Demain, on va se retrouver pour la dernière étape assez plate, malgré qu'il y aura trois difficultés de troisième catégorie. Une occasion pour Calmejean d'aller essayer de récupérer le maillot à la dernière étape, et l'occasion également pour Venturini de conforter son maillot des sprints et pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire d'étape demain. Mais écoutez, je vous dis à demain, dimanche, pour la quatrième et dernière étape de ce Tour de la Provence. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!